Oh Jésus, Jésus est le roi. Jésus veut te sauver. Jésus est le sauveur. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il vous aime, Jésus, madame. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Le roi des rois. Jésus revient bientôt. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous sauver du péché, les amis. Faites la paix avec Jésus. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Donne à Jésus ton cœur. Jésus veut te sauver. Donne à Jésus-Christ ton cœur. Jésus veut te sauver. Donne à Jésus ton cœur. Sors du péché. Il veut vous délivrer. Jésus pardonne tous les péchés. Ton adultère que tu as commis. Jésus veut plus que tu couches en mariage. Jésus veut remplir ton cœur d'amour. Donne à Jésus ton cœur. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te sauver. Donne ton cœur à ton Créateur. Ton Créateur veut te sauver. Celui qui a créé le monde veut te sauver. Donne-lui ton cœur. Le sauveur du monde s'appelle Jésus. Jésus veut pardonner tes péchés. Jésus veut te donner la fidélité envers ton conjoint. Jésus veut te délivrer du mensonge pour que tu dises que la vérité. Jésus veut plus que tu trompes ton mari. Non, 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 non. Il veut plus que tu trompes ta femme. Jésus veut plus que tu sois raciste de ton prochain. Car être raciste, c'est un péché. Jésus nous apprend l'amour du prochain. L'amour entre les uns les autres. Jésus veut guérir ton cœur brisé par cet homme qui t'a quitté il y a quelques années. Jésus veut te combler d'amour. L'amour que ton travail te donne pas, que des problèmes. Jésus veut te combler de paix. La paix que personne ne peut te donner. Jésus veut te retirer de ta religion parce que ta religion ne peut pas te sauver. La preuve, tu fumes toujours la cigarette. Tu as besoin de rencontrer le Créateur. Le monde a été créé, mes amis. On ne vient pas du Big Bang, mes amis. C'est un mensonge de l'humanité, mes amis. On ne vient pas du macaque, mon ami. J'ai trois garçons mariés. Ma femme a accouché des humains. Parce qu'un humain donne un humain.
Un chien donne un chien. Un poulet donne un poulet, mon ami. J'ai jamais vu une girafe donner un éléphant. Donc lorsque l'homme dit que le macaque qui est courbé est notre ancêtre, mais il faut être fou, hein. C'est une folie, mes amis, terrifiante. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes vivent dans toutes sortes de péchés. Hommes et hommes peuvent se marier en 2021. Alors que le Créateur a créé Adam et Ève, le sperme et l'ovule, mes amis, sinon je ne serais pas là. Hein. Rassure-toi, ce soir, c'est pas ton argent que je veux. J'en gagne tous les mois, mon ami, ça me rend pas heureux. C'est du fer et du papier qui ne rend pas heureux les gens. Et Giroud a compris cela parce qu'il croit en Jésus. Malgré sa richesse, l'humilité, mes amis. Il y a quelques semaines, un footballeur, son cœur s'est arrêté sur le terrain. Il est riche, Eriksson, super riche. Mais son cœur a dit stop ce jour-là, mon ami. L'argent n'a pas pu le réveiller. Oh non. Voilà pourquoi ce soir, je veux te parler de ce message qui a bouleversé ma vie, mon ami. Je te rassure, j'ai un métier, marié, 3 enfants. Donc c'est par amour que ce soir, je suis là pour toi. Pour te dire qu'après la mort, il y a 2 endroits éternels. Mes amis, il y a 10 ans en arrière, j'ai failli mourir. Je tapais la police, je fumais le shit, comme beaucoup de jeunes. Oh. Mais quand la maladie m'a foudroyé, il y a 10 ans en arrière, j'étais aux abois, mon ami. J'ai été voir les marabouts m'ont dit, ben fais un bain. Mais la maladie n'était pas partie, mon ami. J'ai été voir les docteurs à l'hôpital à la Pitié. Ils m'ont fait toutes sortes d'examens, de sang, de cœur, partout. J'ai vu les médecins fumer la clope, je me suis dit non, s'ils fument, c'est qu'eux-mêmes sont perdus. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'homme est vraiment un pécheur, mon ami. Quand j'ai vu les docteurs fumer la cigarette, j'étais choqué. Je me suis dit non, comment ils peuvent soigner le cancer et fumer? C'est qu'eux-mêmes, il y a un problème, ils sont aveugles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à crier, oh mon Dieu, comme beaucoup de personnes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, la maladie va me tuer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu peux être athée comme tu veux, tu vas crier, oh mon Dieu, mon coco. Ah oui, parce qu'il a créé le ciel, la terre, les eaux, le vent, le cœur, le pancréas, le destin, tout ça. Il a tout créé, les dents, le nez, les oreilles. Mon ami, il est trop parfait. Et les humains sont nés il y a quelques années sur la terre. Et on dit que, ben, en fait, on vient du singe. On aurait évolué, alors que le macaque est toujours courbé. Le macaque est courbé, il n'est pas très beau. Et les humains aux yeux bleus disent que c'est leur papa. Mais ils sont complètement malades. Et je comprends pourquoi la terre est dans cet état aujourd'hui. Dans les trains, les gens se disent même plus bonjour, mes amis. C'est grave. C'est très grave. Voilà l'état du monde aujourd'hui, mes amis. Je te rassure, c'est pas ton argent que je veux. J'ai un foyer, un travail, une femme, enfant, tout ce que tu veux, mais c'est pas le plus important, mon ami. Parce qu'un jour, notre cœur va s'arrêter. Et on va tout laisser pour quelqu'un d'autre. Mais toi, où vas-tu aller? On n'y pense jamais. On pense que la mort, c'est pour les autres. Oh, moi, c'est dans 45 ans. Est-ce que tu es sûr? Tu peux pas répondre à cette question. Tu sais, quand tu es né en 67, 68, 84, 82, mais tu connais pas la date de départ. Aïe, 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 aïe. Et c'est là que ça coince. Et c'est là que nous voyons que l'âme est limitée. Voilà pourquoi ce soir dans ce wagon, toi n'es pas en colère contre moi. Ouvre tes oreilles, dépose ton portable. Retire tes iPods, tout ça, retire. Parce que ce message va te sauver, je crois. Comme il m'a sauvé de l'adultère, je ne trompe plus ma femme. C'est trop beau, chantier. Guadeloupéen. J'ai arrêté de zouker les femmes ici et là, parce que quand j'ai ouvert la Bible, la parole de mon Créateur, il m'a montré qui j'étais. Et c'est dans la maladie que j'ai compris que il fallait que je me tourne vers lui, mes amis. Et en me tournant vers le Seigneur, où ça? Chez les catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, nanana.
C'est un cœur à cœur. Waouh! Parce que le Créateur veut parler à ton cœur. Regardez les bâtiments de religion. Il y en a beaucoup. Mais les gens sont toujours dans la guéguerre. Toujours à tromper leurs femmes. Toujours à dire des gros mots. Toujours à pécher, frauder les trains. Le racisme, le mal. Regardez l'état du monde, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas honte de témoigner que le soleil, les étoiles, les nuages ont été créés, mes amis. Mes amis, bonsoir. Hein? Ce n'est pas un sketch. Je ne suis pas Elie Semoun, je ne suis pas un gag. Je t'annonce la vie après la mort. Ah oui, on y passera tous à la casserole, comme Johnny. Johnny, il a pris le mauvais chemin. Il a suivi le diable. Le diable l'a tué par la cigarette, tout ça. Quelle est la vie qu'il a eue? Mauvaise vie. Mais la terre entière adore sa vie. Voilà pourquoi votre état est comme ça aujourd'hui là. Voilà pourquoi votre état est comme ça aujourd'hui là. Parce que tu as pris un mauvais modèle. J'étais dans le rap, le dancehall, zouké les filles, gros mots, taper la police, yo yo yo, lock, bouc d'oreille. J'étais dedans. Mais il y a 10 ans en arrière, aïe 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 aïe, c'est la rencontre avec la mort qui m'a fait lever la tête au ciel. Mon Dieu! Mon ami, c'est terrifiant. Je savais que si je mourais, je descendais en enfer. Parce que mes œuvres, ma vie me condamnaient. Je tapais ma femme, je la trompais, fraudais les trains, des gros mots, j'allais voir les prostituées, j'étais dans le péché. Ah oui! Et j'ai compris que même les médecins ne pouvaient plus rien pour moi. Ma tension monte à plus de 25. Oh, j'allais mourir. J'allais mourir. Et c'est là que j'ai compris que là, il y avait l'enfer et le ciel. Et que si je mourais, les gens auraient dit, il est au paradis, RIP. C'est faux. Repose en paix là, avec vous. Tout le monde repose en paix. Quand je vais sur les réseaux sociaux, quelqu'un est mort, voleur, RIP. Il était gentil. Il était doux. Mais c'était un voleur. Où est-ce qu'il a votre avis? Où est son âme? La Bible dit quoi, mon ami? Cette parole-là, elle m'a délivré du péché, j'arrive plus à mentir. Depuis 10 ans, pas de mensonge, pas de drogue, pas de bagarre conjugale. Non. Parce que j'ai retrouvé ma raison de vivre. J'ai été créé pour adorer quelqu'un. Pas adorer les footballeurs. Pas adorer les statues. Pas adorer l'argent. Pas adorer Neymar. Les tatouages. Oh, je veux le voir. Il y a 6 mois en arrière, je crois, un truc comme ça, 8 mois, j'ai vu Zidane au travail. Son hôtel était à côté de mon travail. Ils allaient jouer contre PSG en Ligue des Champions. Je l'ai appelé, il est venu, il a cru que je l'ai pris la photo. J'ai fait non, tes péchés là, Jésus veut te pardonner de tes péchés. Tu dois te repentir de tes péchés, de mourir Zidane. Il était choqué. Comment ça fait que je ne prends pas de photo? Eh bien, j'adore pas Zidane moi. C'est quoi la différence entre Zizou et moi? Voilà pourquoi j'ai préféré adorer celui qui a créé les nuages là, qui a. C'est lourd, hein, mais ça flotte. Ouh là là. J'ai préféré adorer celui qui a créé nos cœurs à gauche là. Tout, ce muscle là. Quand il s'arrête, eh ben, c'est comme le footballeur. K.O. Mon ami. Lorsque Adam et Ève ont péché, elles ont péché. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux fumer. En fait, tu es possédé, pour information. Tu es lié au diable. Mais quelqu'un va te délivrer. Écoute ce message. Lorsque le premier couple a péché, parce que nos grands-parents, c'est Adam et Ève, hein. Crois pas, mon grand-père, c'est un macaque, hein. Réveille-toi. Mon grand-père, c'est pas un macaque. Le macaque est courbé, il est pas beau. Tu me fais croire que c'est mon papa. Mais non, les humains, quand même. Master 40 était comme ça. Non. Il y a un problème chez les humains, là. Il y a un problème chez vous. Quand je vois l'histoire, le commencement dans Genèse, le Créateur, il est éternel. C'est pas un humain. Il est esprit comme le vent. Il est invisible comme le vent. Invisible comme Corona. Corona fait peur aux humains. Corona est invisible. Mais les gens ont peur de lui. Maintenant, crée le Créateur aussi. Mieux que Corona. La même manière que tu laves tes mains. Eh bien, c'est par rapport du péché. Quand on te drague, refuse. Quand t'es en colère, pas de gros mots. Pardonne. C'est ça, crains le Seigneur. Aimer le Seigneur, mon ami. Voilà pourquoi, mes amis. Qui veut que je m'arrête de parler? Qui veut que je continue? Je continue. Qui veut que je continue? Merci. Mes amis, lorsque le premier couple a péché, ils ont été créés libres. Dieu nous a créés libres. Libre arbitre. Tu peux tromper ta femme. Taper ta femme. Comme on le voit aujourd'hui, les gens commettent toutes sortes d'abominations.
Ils font toutes sortes d'abominations, malgré qu'il y a la prison. Ça révèle quelque chose de terrible. Écoutez ce message. Ne me lapide pas encore. Lapide-moi après. Tue-moi après si tu veux. Laisse-moi encore parler un peu. Mes amis, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont été tentés par Lucifer. Parce que le diable sait qu'est-ce qui est au ciel. Il ne veut pas que tu ailles au ciel. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu ailles là-haut. Il ne t'aime pas. Pas une seconde. Voilà pourquoi il a réussi à faire pécher Adam et Ève. Qui ont été créés parfaits. Sans problème de cœur. Sans arthrose. Sans lunettes, loupe, tout ça, myopie. Non, 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 non. Sans calvitie. Adam était parfait. Et Adam était où? Dans quel pays? En Éthiopie, en Afrique. Qui le savait ça? Qui savait que la vie commence en Afrique? Mes amis, c'est là-bas que tout a commencé. Je pense que très peu le savent. Beaucoup pensent que la vie a commencé au Danemark. En Suède. Attends. La vie a commencé en Afrique. Faites des recherches par vous-même. Attends, je ne veux pas que ce soit des... Mes amis, attends, je parle après. Mes amis, voilà pourquoi, lorsque le premier couple a péché, ils ont été déchus de la position d'immortel qu'on avait reçue du Seigneur. Vous croyez que Dieu peut créer le monde imparfait? Jamais de la vie. Les conséquences de la terre, c'est à cause de nous. Pas nous là, c'est nous. Ah oui. Ils ont mangé le fruit défendu. C'est pas une pomme. C'est pas une pomme, on t'a fait croire la pomme là. C'est pas une pomme. Hein? C'est pas une pomme, c'est un fruit défendu. Comme un papa, j'ai trois enfants. S'ils font des bêtises, pas de cadeau. Un vrai papa puni. Bon, faux. Sinon, tu seras un faux papa gâteau. Et ton fils serait dans la délinquance à fond. Mais un vrai papa donne une bonne éducation à ses bouts de chou des petits. Ben oui, j'ai trois enfants, je sais de quoi je parle. Voilà mes amis pourquoi. Attendez, on va parler après, s'il vous plaît. Il faut que je dise ça là, c'est important. C'est important, chef. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont péché, Dieu, le Créateur, a été affligé. En fait, il a eu mal. Parce qu'il nous kiffe d'une manière, mon ami. Oh là 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 là. Il a créé tout pour toi et moi, les fraises, l'abricot, les antilles, l'eau salée, les... Mais... Attends, attends, mon ami. Mon ami, le Créateur a des sentiments. Il aime. Ce n'est pas un robot. Beaucoup voient Dieu comme un robot. Oh, jugement. Non, il aime. Mais il a aussi justice. Aïe, 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 aïe. Justice. Voilà pourquoi Adam et Ève ont été bannis du jardin d'Éden. Parce que le péché nous sépare de la présence du Créateur. C'est impossible d'être avec lui, avec ta drogue, ta masturbation, ton viol, ton inceste. Jamais. Tu dois laisser ton paquet à côté pour de nouveau être béni par lui. J'en arrive. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, on a reçu un virus pire que le corona, pire que le sida, le péché qui coule dans nos veines. Ah oui, ouvre tes oreilles. Hein. Voilà pourquoi les enfants, ils sont mignons quand ils sont petits. Ils commencent à grandir et tu vois qu'ils apprennent à cacher, voler. Où ils ont appris ça? Le péché est en eux. Mais ils sont innocents étant petits. Parce qu'ils n'ont pas conscience encore vraiment des actes qu'ils peuvent poser. Comme un gars de 20 ans. Alors, un juge va te juger différemment qu'un enfant de 2 ans. Ben oui. Voilà pourquoi, mes amis, il nous fallait un sacrifice. Parce qu'avant moi, j'étais dans le... Avant moi, le shit avant, yo, le shit, yo. Ma femme, la bagarre, je la cognais. Je la bastonnais. Bagarre, alors, dehors, les gars, bagarre. Mes amis, je vous dis la vérité. Bois de nuit, zouké, collé, collé, collé. C'est le sexe. Rigoler, hein, mais c'est pas pour rigoler ce soir. Hein. J'ai réalisé mon état. J'étais footballeur de haut niveau. Joue à Caen, Scodanger, Créteil. Je me suis cassé les croisés juste avant de signer pro. J'ai tout perdu. Tout perdu. Là, je bosse, rassure-toi. J'ai mon entreprise, tout ça, t'inquiète pas. Mais je t'annonce mieux que ça. Laisse derrière ça. Je t'annonce, mes amis, que j'ai failli mourir il y a 10 ans en arrière. Et j'ai été voir qui? Les docteurs qui fument la clope. J'ai dit non, ils sont bizarres. J'étais voir les marabouts. Les marabouts m'ont dit prends le bain. Eux-mêmes sont pauvres. Les marabouts là, ils voient rien du tout. Ils bossent avec Lucifer, ces hommes-là. Là. J'ai compris une chose. C'est dans mon cœur, j'ai commencé à être attiré vers le Créateur du ciel et de la terre. J'ai dit mon Dieu, mais t'es où? Mon ami, quand la mort arrive. Ah, bon, salut chef. Tu as besoin de lui. Ouvrez vos oreilles, hein. Parce que là, c'est la fin. Là, on vit la fin des temps.
J'ai invoqué son nom. Tu me diras quel nom. Avant que le Créateur ne vienne lui-même sur la terre, il a envoyé Moïse, Abraham, Jérémie. Il a envoyé plein d'hommes qui ont témoigné de lui. Il s'est révélé à eux et ils sont partis parler de lui. Quand moi, là, je parle de lui, il s'est révélé à moi. J'aurais jamais cru un jour que j'allais parler devant tout le monde. Et j'ai même pas honte. Parce que ce que je dis là, c'est réel. Il m'a guéri de la maladie. Comment? Ben d'abord, j'ai compris une chose. C'est qu'il a envoyé 44 hommes pour témoigner de lui. Vous voyez? Il a envoyé Moïse, il a envoyé la mer rouge. Vous connaissez Moïse? La mer rouge, Israël, pas Israël, l'Égypte frappée, les 10 plaies, nanana, tout ça. On a vu sa puissance au Créateur. Mais l'homme n'était toujours pas délivré du péché. Il a envoyé la loi. Il ne fallait pas manger de tel aliment. Fallait, nanana, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans le temple avec les menstrues, tout ça. Il y avait plein de choses. C'était la loi. Les animaux, tout ça, nanana. Mais le Créateur devait venir pour nous racheter une bonne fois pour toutes. Et il n'a pas donné le catholicisme, hein, parce que beaucoup pensent que Jésus a les yeux bleus. Mon ami, il y a 2000 ans, les photographes étaient inexistants. Donc d'où ça, cette photo diabolique sort? Alors que le Créateur dit quoi dans la Bible? Tu ne commettras pas, de ne pas adorer les images taillées. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Ah oui, mon coco. Le Créateur, il veut habiter ton cœur par son Saint-Esprit pour que tu puisses arrêter de faire ce que Lucifer il aime. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, en toi, là, dans ton âme, quelqu'un habite et tu ne te rends même pas compte. Quand tu fumes la cigarette, là, je fume, oh là là, je suis libre. Non, tu es possédé par un démon de mort. Ah oui. Ah oui. Et les gens ont peur de corona, Covid, et ils fument la cigarette. Je me dis, mais mon Dieu, ils sont sérieux, quoi, là? Ils fument, ils n'ont pas de corona. Mais retire ton masque. Parce que tu te tues tous les jours. Voilà pourquoi il nous fallait un sang pur. Un sang qui n'a pas connu le péché. Le sang de Jésus. Est-ce que Jésus a dit un gros mot? Levez la main. Est-ce que Jésus a dit, si on te frappe ici, tape aussi. Est-ce que Jésus, il a dit, je suis Dieu, adore. J'en arrive, t'inquiète pas. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse étant « Je suis ». Et il a dit à Moïse, « Va dire à tes frères que je suis envoyé pour les libérer. » Écoutez bien ce message. Il a fallu que ce Créateur, lui-même, vienne nous délivrer lui-même. L'amour, c'est quoi l'amour d'un père? Notre Créateur, c'est un papa, c'est notre père. Moi, c'est mon père. En haut, je le kiffe. Si mes enfants tombent dans la Seine, qui va rester comme ça? Oh, il se noie. Oh, au revoir. Un papa fait quoi? Dis-moi. Non, il saute aussi. Il saute. Il descend les sauver. Quand le Créateur a vu que le péché là augmentait, Sodome et Gomorre, la sodomie, les gens couchent par les fesses, tout ça, l'abomination, le mensonge, les violences, les guerres, il a dit non, il faut que je leur montre un exemple. Il faut que je leur montre un exemple. Ah oui, il nous fallait un exemple. Voilà pourquoi le Créateur, nous dit la Bible dans 1 Timothée 3 au verset 16, le Créateur a été manifesté en chair. En gros, littéralement, il fait ce qu'il veut, il s'est formé ce corps que tu as et moi là. Pour te montrer un exemple. Mais il a fallu qu'il passe par une naissance sans le sang de l'homme et la femme. Parce que le sang de l'homme est souillé par le péché. De ce fait, il devait passer par une vierge. J'en arrive, t'inquiète pas. Il est passé par la Vierge, qu'on appelle Myriam, son vrai nom. Et Myriam a enfanté Jésus-Christ, qu'on appelle Yeshua en hébreu. Et le Dieu d'Israël s'appelle Elohim. Dieu, c'est Elohim, c'est pas Dieu. Dieu, comme on dit, D-I-E. Dieu s'appelle Elohim. El Shaddai. Mes amis, et il est venu, il y a 2000 ans, sous forme humaine, pendant 33 ans, pour payer le prix de nos péchés. Et il a vaincu le diable en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Si vous voulez entre nous. S'il a vaincu le diable, comment les hommes ils l'ont tué? J'en arrive. Maintenant, si j'en arrive. Depuis l'Ancien Testament, Jésus parle de sa venue. Ésaïe 9:5 nous dit qu'un fils nous est né. On l'appellera
Dieu puissant, Père éternel. En fait, c'est terrible ce que je dis là. Beaucoup ne vont pas y croire, mais ça c'est... Malheureusement, il faut... J'en arrive, j'en arrive. Dieu n'est pas un homme, il est esprit. Mais il s'est fait homme. Il a mis son esprit dans un corps humain. C'est simple. C'est simple. C'est simple ou pas? Mais c'est simple. Il s'est incarné pour vaincre, vaincre les gros mots, vaincre la bagarre. Il a tout porté nos péchés sur la croix. Voilà pourquoi je ne fume plus le shit, moi. Dès lors que j'ai dit à Jésus, voici ma vie, Seigneur. Pardon pour mes péchés. Chérie, pardon. On se marie. J'ai tout laissé. Il m'a pardonné. Je t'ai répondu? Non, mais pas. C'est toi qui ne veux pas, c'est toi qui veux pas entendre. Tu ne veux pas écouter. Parce que t'es buté, tu es resté dans ton truc, toi. Elohim s'est fait cher. Dieu s'est fait cher. 1 Timothée 3,16. Dans Jean 14,6. Il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ah ouais, tu connais aussi. Hein. Vie. Il est venu pour nous délivrer. Parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi je ne suis pas polygame. Dans des religions, on dit que c'est possible d'avoir 4 femmes. T'as vu ça où ça, mon ami? Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé un cœur qui peut donner l'amour à une seule femme. Comment on peut aimer 4 femmes avec un seul cœur, mon ami? Il y a un problème. Ça, c'est pas un Dieu intelligent, ça. C'est écrit où? Là, les gens ne sont pas contents. C'est la vérité. Dieu a créé. Sors-moi la Bible, là. Sors-moi la Bible tout de suite. C'est écrit là. Voilà, c'est ici. Même si je te montre, tu vas pas me croire, toi. Vas-y, montre-moi, il n'y a pas de problème. Tu veux voir quoi? Vas-y, dans quel testament? De quoi? Tu veux voir quoi? Vas-y, montre. Ouvre ta Bible, c'est dans quoi? Vas-y, Jésus, il a dit, il ne faut pas se marier, allez. Non, se marier? Non, il a jamais dit ça, Jésus. Polygame. Ah oui, mais il a créé Adam et Ève. Elle est où? Bon, on va prendre Genèse déjà. En fait, tout commence par le commencement. En plus, il est la Bible en plus, lui. C'est... On s'en moque, c'est lequel? On s'en moque. Attends. Attention à la marche. On va prendre ça vite fait là. Tu sais que Dieu a créé Adam et Ève quand même? C'est vrai? Est-ce qu'il a créé Adam et Ève? Il a créé Adam et Ève. Mais pourquoi? Ben c'est ça qu'il faut suivre alors. Pourquoi tu dis, mais pourquoi les gens prennent plusieurs femmes, plusieurs hommes? C'est qu'il y a un problème. Montrez-moi où c'est interdit. Attends. Non, mais c'est le péché. Ouais, montrez-moi si c'est interdit. Attends, mais là je te descends en plus toi. Tu restes encore? Attends, reste, je vais te montrer. On va prendre un Corinthien là-bas. Un Corinthien 7. Tu restes ici? Voilà, tiens, tu peux dire ça. On va commencer par là, c'est pas grave. Voilà. Introduction au mariage. Ah, c'est en anglais? C'est en anglais et français. Ah, ok. Voilà. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Il est bon, c'est pas voilà. Interdit. C'est pas... Il est bon, mais c'est pas interdit. Tu peux rester seul si tu veux, mais seul. Il est bon, mais est-ce qu'il a dit c'est interdit? Non, c'est pas. Tu peux rester seul. Non, tu peux rester seul, mais pas plusieurs femmes. Est-ce qu'il a dit c'est interdit? Mais on arrive, regarde. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, éviter, voilà. Que chaque homme est. C'est dans le Coran ici. Attends, écoute ce qu'il dit là. Dans le Coran. Mais, non, attends, il m'a pas écouté, il m'a pas écouté. Dans le Coran, attends. Dieu, il a dit. Écoute ce qu'il dit là. Vous allez pas pouvoir être juste avec les gars. Il dit quoi, Jésus là? Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme. Ah, tu vois, c'est écrit. Donc, il a dit sa femme. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux relire fort? Tu peux relire? Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon que pour tout homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà! Que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait femme. Non, vas-y. Mais c'est dans la Bible, c'est beau. Aucune femme ici peut me dire qu'elle va accepter que son mari ait 4 femmes à la maison. Qui va accepter ça ici là? Honnêtement, allez voir accepter ça. Que votre mari ait plusieurs femmes avec vous à la maison. Jamais de la vie. C'est pas possible d'accepter ça. Donc le Créateur a créé hommes et femmes. Donc c'est pour ça qu'on est d'accord. Il a créé un cœur. Tu peux aimer qu'une femme pareillement. Excuse-moi. Oui chef. C'est pas bon, il faut arrêter la bière là. Je sais, mais non, si c'est sens, j'irai pour dire que Jésus a donné du vin aux gens quand même. Mais tu vas pas te plaindre pour ça. Mais pourquoi il a donné du vin? Monsieur. Ça aussi, c'est une question. Ah, ok, oui. Attends. Non, je veux pas. Il faut arrêter la bière, c'est pas bon la bière. Oui, je suis d'accord. Il faut arrêter ça, ouais. Alain, là, c'est différent. T'es Côte d'Ivoire, toi? T'es Côte d'Ivoire? Comment t'as dit? Non, c'est l'accent.
Il faut pas boire l'alcool comme ça, c'est pas bon l'alcool comme ça, les amis. Bon, les amis, bonsoir tout le monde. Ça va? Tout va bien? Mes amis, bonsoir à vous tous en tout cas. Et malgré la fatigue que vous avez, eh ben, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Eh ben, tu vas regretter que personne ne t'a averti. Mais là, ce soir, je t'ai averti pour que tu en sors de tes péchés. Pour être sauvé, vaut mieux mourir ce soir dans la fatigue et aller au paradis que mourir dans la fatigue et aller payer pour tous ces mensonges commis sur la terre, mes amis. Ah oui, vous avez déjà un âge avancé. Quand on s'approche de la vieillesse, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, mes amis. Eh oui, tu ne pourras pas dire à Dieu, oh Dieu, j'étais fatigué. Non. Le Seigneur veut que tu entendes sa parole, madame. Parce qu'il t'aime et il veut te délivrer de tous tes mensonges, ton adultère, de ta haine, tes gros mots. Tu vois tous ces gros mots-là, le vol, tout ça. Il faut se repentir. Parce que nous vivons la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur revient bientôt. Jugez le monde, mes amis. On y est. Voyez par vous-même ce qui se passe dans le monde. Les gens divorcent. Les gens se bagarrent, se tuent entre eux. Ils peuvent avorter leur bébé. Les gros mots, tout ça, le mensonge. Regardez l'état du monde, mes amis. Même si tu rentres du boulot, il est important d'entendre ce message afin que vos péchés soient ôtés par le Seigneur. Car vous-même, si vous reconnaissez vos péchés, il va vous pardonner. Mais si vous restez fermé comme ça, libre arbitre, vous payerez simplement les conséquences. Donc si des jeunes viennent vous parler comme ça, mes amis, c'est pas pour faire joli. Aujourd'hui, on voit des jeunes s'entretuer, des jeunes font la guerre, des jeunes qui tapent les gens qui volent. Là, je ne suis pas voleur. Je vous annonce la justice, mes amis. Je vous annonce la justice et l'amour du Seigneur pour votre vie. Vous avez quel âge? 50? Ben, 50, c'est un demi-siècle. Malheureusement, beaucoup espèrent la retraite qui va durer combien de temps? Et encore, c'est même pas sûr d'y aller. Donc, si je comprends bien la vie de l'homme, il naît à l'école, il charbonne pour avoir un diplôme, bosser 20 ans, espérer la retraite et mourir. Voilà la vie des humains sur la terre. Alors que le Seigneur vous promet son royaume, le royaume des cieux, là où il y a la paix, l'amour. En fait, là-bas, il n'y a plus la mort. Mais malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde, le paradis. Parce qu'il faut payer un prix pour le ciel. Se séparer du mal. Et ça, ben, le mal est attaché à nous. Mais voilà pourquoi il nous faut la croix de Jésus. Son sacrifice. Tu es encore dans la cigarette. Et tu pries 10 fois, 15 fois par jour. Tu as vraiment un problème? Tu as dit plusieurs gros mots aujourd'hui là. Tu penses que tu vas au paradis avec tes gros mots? Quand on croit au Créateur, pas de gros mots pendant toute sa vie. Parce qu'il te délivre. C'est ça connaître le Créateur. Avant, j'ai des gros mots moi avant. Gros mots. J'avais plus à dire un gros mot à quelqu'un. C'est fini ça. Même quand j'arrive en retard au boulot, patron. Je me suis réveillé en retard, patron. La vérité. Comment ils vont mentir ici? Oh, en fait, patron, dans le train, il y avait un problème de bombe. Oh, menteur, menteuse. C'est vrai. Hein? Et les gens vont aller au paradis auprès du Créateur avec leurs mensonges, avec leur adultère. Hein? Tu trompes ton mari, ta femme, mais tu vas aller au paradis comme ça? Non, c'est impossible. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous éclairer et nous accorder son pardon au ciel. On sera tous beaux. Hein? Parce que sur terre, on dit que tu es moche, mais tu es beau devant le Seigneur, t'inquiète pas. Même si les humains disent, oh non, elle est moche. Il me faut des femmes aux lèvres pulpeuses. Ça, c'est la catégorie de mariage dans le monde. Voilà pourquoi les mariages ne tiennent pas. Les gens divorcent. Parce qu'ils ont épousé quoi à l'extérieur? Et l'extérieur vieillit. Alors que l'intérieur, ça ne vieillit pas. Hein? L'intérieur ne vieillit jamais. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas vu ses fesses ou ses yeux, nous dit la Bible. Il a vu ses os. On nous parle de l'intérieur. On épouse l'intérieur de quelqu'un. Pas l'extérieur. Voilà pourquoi il y a des plaintes. En France, il n'y a que des divorces. Allez voir sur BFM. On n'entend que des divorces. Et comme la fille voulait partir, le gars l'a tué. Vous voyez?
C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde sans Jésus, il est ainsi. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Très peu iront au ciel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes amis, bonne soirée en tout cas. Je vous aime. Mais la réalité est que demain, tu n'es pas sûr d'être dans ce train. C'est pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la fin arrive. Hein? Quand le cœur s'arrête de battre là, dans le sommeil. Mes amis, ce n'est pas un jeu. Là. On ne revient pas après la mort pour dire aux autres qu'est-ce qu'il y a. Tu sais dans ton cœur qu'est-ce qu'il y a. On le sait tous. Voilà pourquoi les humains savent qu'il y a une loi morale qui est dans leur cœur. Voilà pourquoi on peut pas, quelqu'un ne va pas tuer forcément parce que ah, la loi te dit tu iras en prison. C'est le Créateur qui a mis la loi morale pour que la terre ait un peu de justice. Mais malgré cela, les hommes font quoi? Ils offrent ça. Ils offrent le commandement. Parce qu'ils sont pécheurs. Voilà pourquoi Jésus a donné son sang sur la croix pour nous sauver. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Il veut te pardonner, madame. Pour que tu puisses pardonner à ton mari qui t'a trompé. Pardonner à tes collègues qui te font la misère. Ton patron qui te fait la misère. Jésus veut que tu pries pour lui. Mais d'autres vont le maudire. Là, c'est le monde. On te fait du mal, tu vas voir les marabouts là. Non, je le maudis. Mon ami, mais c'est pas ça l'amour du Seigneur. Donc ta vie, c'est quoi? Aller tous les matins travailler sans espérance? Espérer la retraite qui descend tous les ans? Ou plutôt qui augmente en durée d'âge? Et t'as mal au dos là, hein? T'as mal au dos tous les soirs, ma chérie, faut que tu me marres. Mon ami, regardez l'état du monde. Au ciel, il n'y aura plus ça. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? On doit se réjouir en Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit quoi le Seigneur? À cause de son nom, vous serez haïs des nations. On ne m'aime pas moi. Des fois, on m'insulte, femme, t'as des gros mots, tout ça. Parce que ce que je prêche, ça descend directement dans ton cœur. Ah madame, il vous aime Jésus, madame. Il vous aime Jésus. Vous avez baissé la musique pour écouter, hein? C'est baissé la musique, hein? Ah, si, c'est baissé. Vous me répondez. Salam alaikum. Yeshua t'aime. Tu sais qui Yeshua? Yeshua. Jésus-Christ. Il t'aime beaucoup en tout cas. Ah, hein? Comment? Ah, ok, d'accord. Bon courage, hein? Aime-le fort parce qu'il t'aime plus que tu le penses. Bon courage. En tout cas, t'as ta Bible, toi, c'est bien ça. T'as ta Bible, c'est bien ça. Alléluia. T'es quel pays, toi? Tu parles anglais, toi aussi, un peu? Ouais. Ok. C'est bien. Tire à loin dans la vie au nom de Jésus. Toi aussi. Bon courage, chef. Bon courage à toi. Jésus t'aime beaucoup. Alléluia. T'es musulman, toi? On a le même créateur, toi et moi. Si tu le cherches, il va se révéler à toi parce qu'il te kiffe. Chef, je vais t'expliquer quelque chose que tu n'as pas cru. Reste là, je vais parler. Non, il faut que j'aille là-bas. Il y a du monde là-bas. Non. Non. Tu parlais, je vais parler. Non, Jésus t'aime, t'inquiète pas. Non, je jure que quelqu'un, il y a un musulman qui a été ressuscité. Mais ils n'ont jamais dit ça. Bon courage, monsieur, madame. Bonne soirée. Samori Touré. Bonne soirée, chef. Hein? Ouais. Bonne soirée, chef. Bonne soirée, monsieur. Il vous aime, Jésus. Vous avez entendu le message? Vous avez entendu? Vous avez entendu le message? Il vous aime, le Seigneur. Bonne soirée, monsieur. Jésus vous aime. Faites la paix avec lui. Il revient bientôt, le Seigneur. Bon courage, chef. Il vous aime, Jésus, madame. Il revient bientôt, le Seigneur. Tu es croyante? Tu sais qu'on a été créé par le Créateur? Tu sais que le Créateur t'a créé et qu'il t'aime? Qu'il veut te retrouver? Un cœur à cœur? Bon courage. Bonjour à tous ce matin. Hommes et femmes. Alors ce matin, j'aimerais vous présenter un message qui est important pour toi ce matin, qui va vaquer à tes occupations. Certainement travailler. Certainement chercher du boulot. Mais ce matin, j'aimerais te parler du message véritable qui est important pour l'humanité d'entendre dans notre génération.
Alors j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas ton argent que je veux, mais j'aimerais te parler de la vie après la mort. Te dire en vérité que nous sommes des êtres qui avons été créés d'abord esprit, âme et corps. Dieu nous a créés, mes amis. Dieu a créé tout ce qui vit dans ce monde. Il a créé la nature. La nature ne vit pas par elle-même. Ce matin, j'aimerais te dire que nous ne vivons pas de nous-mêmes, par nous-mêmes. Mais que quelqu'un nous a donné le souffle de vie. Il nous a créé de la poussière. Et à la poussière, nous retournerons. Lorsque le souffle de vie te sera ôté. Et j'aimerais te dire ce matin qu'au commencement, Dieu nous a créés parfaits, sans vieillesse, sans maladie, sans chaos, sans mauvais cœur. L'homme avait un bon cœur. Et le premier homme qui a été créé, il s'appelle Adam. On ne vient pas du singe. Le singe est courbé. Le singe mange des fourmis. La bonne nouvelle, c'est que nous avons été créés par le Créateur. Et laisse-moi te dire ce matin qu'il t'aime. Ah oui, il t'aime de l'amour que tu ne peux même pas imaginer ce matin. Et il veut se révéler à ton cœur. Il n'a pas créé vos religions. Il n'a pas créé vos sectes. Il a créé ton cœur. Il veut parler à ton cœur. C'est au niveau du cœur qu'il se révèle. Parce que lorsque nos grands-parents, Adam et Ève, ont péché, nous avons été séparés de son cœur d'amour. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il est saint. Ah oui. Parfait. Mais la Bible dit, lorsque Adam et Ève ont péché, l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, s'est retiré de l'homme. Et l'homme est devenu esclave du diable. Parce qu'il a été tenté. Et il a succombé à la tentation. Mes amis, la désobéissance est le résultat de ce monde aujourd'hui où les hommes peuvent tuer, où les hommes peuvent fumer, où les hommes peuvent se marier entre homme et homme, où les humains peuvent être racistes, où les humains peuvent avorter leur bébé, où les humains peuvent se suicider. Voilà ma génération, mes amis. Et depuis que Adam et Ève ont péché, le mal n'a fait qu'augmenter. La perversion n'a fait que croître. Les dérèglements n'ont fait que croître. Et ce matin, il y a une solution pour toi. Car la Bible dit que le pécheur ne rentre pas au ciel. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Je vous dis la vérité. Si vous mourrez pécheur, vous irez en enfer. Voilà le danger qui vous attend. Voilà cet endroit terrifiant qui attend les menteurs, les pornographes, ceux qui se masturbent, qui trichent, qui violent, qui fraudent les trains. Mes amis, je vous dis la vérité. Après la mort, ce n'est pas le paradis pour tout le monde. Attention. Tu couches en mariage, tu forniques. Il n'y a plus de moralité, mes amis. La terre sera jugée. Tu seras jugé toi aussi. Si tu meurs dans l'état que tu es. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour prendre nos péchés, pour ôter tes péchés, pour te pardonner, te réconcilier avec son cœur d'amour, afin que tu hérites de la vie éternelle. Il veut changer ton cœur. Il veut te délivrer de la cigarette, du mensonge, l'alcool, les gros mots. Ce matin, beaucoup disent des gros mots ce matin. Gros mots sur gros mots. Mes amis, je suis marié, 3 enfants. J'ai un métier. Je ne suis pas là pour t'annoncer un message qui est faux. Je t'annonce que Dieu existe. Et il veut que tu sois fidèle à ta femme. Il desservira toutes les gares. Fidèle à ton mari. Mais sans la fuite. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus. Mes amis, je suis jeune peut-être. Regarde ma tête. J'étais en boîte de nuit il y a 10 ans en arrière.
J'étais appelé la police auparavant. J'étais adultère. J'étais raciste. Je fraudais les trains. Mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré celui qui a créé le soleil. Oh là 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 là. J'ai rencontré celui qui a pu changer mon cœur. Qui a pu me rendre fidèle. Grâce à Jésus, je dis plus de gros mots. Finis ça. Grâce à Jésus, je ne ferai plus les trains. Grâce à Jésus, ben, c'est la vérité qui sort de ma bouche. La vérité. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et beaucoup l'adorent aujourd'hui, à travers Halloween. Ah ben oui. Les stars aujourd'hui ne se cachent plus. Ils se réclament tous avoir vendu leur âme au diable. C'est vrai. Et le diable leur donne quoi? Une gloire éphémère. Comme Johnny l'a eu. Il est mort par le cancer. Tous les stars que vous adorez ont des vies de péché, de drogue. Regardez la jeunesse. Comme ta fille sur Rihanna, ta fille est à poil. Les jeunes s'habillent nus. Même les femmes. Il n'y a plus de pudeur. C'est chaud. Mes amis, ce matin, je t'annonce ce message. Parce que la mort tue tous les jours des humains. Et ce soir, ce matin, peut être ton dernier jour sur terre. Mes amis, la mort ne dit pas quand elle frappe, hein? Jamais. Tu sais quand tu es né, mais tu ne sais pas quand elle va t'emporter. Ah non. Quand est-ce? Dans une heure? Deux heures? Voilà pourquoi ce matin, je t'annonce l'évangile. Afin que tu puisses te réconcilier avec celui qui t'a créé, madame. Oh là là. Tu savais comment il est amour? Tellement qu'il nous a aimés, il est descendu il y a 2000 ans. Très peu le savent. En même temps, ils le savent, mais ils disent non, non, c'est faux. Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés, mes amis. Payer le prix de tes mensonges. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus est venu, le Créateur est venu, comme un homme, comme toi et moi, pour te montrer un modèle, une vie à mener. Regardez Jésus-Christ, sans péché. On te frappe ici, remets l'autre joue, c'est pas beau ça? C'est pas beau, mes amis, ça. Mais est-ce que les hommes obéissent à Jésus? Est-ce que les hommes lui obéissent? Non. Ton mari te trompe, tu trompes. Vous rendez le mal par le mal. Alors que Jésus veut que tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal. Et si les humains arrivent à se pardonner, eh bien, on sera heureux ce matin, mes amis. Il y aura eu la joie. Même dans ce train, il n'y a même pas un bonjour. Les humains sont hors de sens. Ils sont racistes. Alors qu'on a du sang rouge qui coule dans les veines. On n'est pas différent. Là-dedans, il y a un pancréas. Là-dedans, l'intestin. Là-dedans, le cœur. Dieu a tout créé. On ne vient pas du hasard. Le plus grand scientifique, c'est Jésus. Hein? Il a marché sur l'eau. Il a arrêté les tempêtes. Il a réveillé les morts. Il a guéri les malades. Il m'a guéri du péché. Grâce à lui, je ne fume plus le shit. Non, 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 non. Grâce à Jésus, plus de films porno. Grâce à Jésus, plus de bagarres. Non, non, non. Jésus veut sauver ton âme. Lucifer veut prendre ton âme en enfer. Ah oui, il t'attend là-bas. Et sa mission, c'est que toute la terre aille dans en enfer. Toute la terre aille en enfer. Il t'a fait croire que Dieu est catholique. Il t'a fait croire que Dieu était dans la Pâque. Des lapins qui pondent des œufs au chocolat. Voilà la bêtise. On t'a fait croire que Marie était la mère de Dieu. Alors que Dieu n'a pas de mère. Mais Dieu s'est manifesté en chair. Il est passé par Marie pendant 33 ans. Mais Dieu lui-même, avant de venir sur terre, il n'y a pas de grand-père Dieu. Si Dieu a une maman, ça veut dire qu'il a des cousins, des frères. Alors que c'est faux. Oui, carrière sur scène. Ça va? Mes amis, je vous aime ce matin. Je t'annonce que fumer va te tuer. Fumer tue plus que Corona, ou Corona, ou Covid, comme vous voulez. Et les humains ont peur de Corona, mais ça fume la clope. Vous êtes hors de sens. Hors de sens. C'est terrible ça. Ils ont peur de mourir, mais ils fument la cigarette. Ils ont peur de Corona, mais ils fument... Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ce monde. Voilà ma génération. Ce matin, je t'annonce la vie. Le royaume des cieux est réel. Bon, bonne journée, madame. Ce train a pour destination. Mes amis, Paris-Saint-Lazare. Les humains ont besoin du sacrifice parfait. Et le sacrifice qui nous donne la vie, le pardon de nos péchés,
C'est le sacrifice du Seigneur Jésus. Il ne veut plus que tu trompes ta femme avec tes yeux aussi là. Parce que beaucoup d'hommes trompent leur femme avec leurs yeux. Ça regarde les fesses des femmes. Et dit quoi Jésus? Tu ne convoiteras pas. C'est écrit dans la Bible. Hein? Donc quand tu mates les fesses des femmes là, l'adultère a commencé dans ton cœur. Oh oui. Voilà pourquoi il nous fallait le sacrifice de Jésus. Il a crucifié la chair sur la croix. Moi je suis marié et depuis 10 ans grâce à Jésus, je ne trompe plus ma femme. Je n'ai pas de sida, pas de santé. Pourquoi? Obéissance à la parole du Seigneur, l'évangile. Pas de cancer, je ne fume plus la cigarette, délivré. Jésus a crucifié la chair. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, le diable a pouvoir sur la chair de l'homme. Et te pousse au suicide. Ah oui, il te pousse à fumer. En gros, t'es possédé, en gros. En gros, t'es possédé. Il te pousse à taper ta femme. T'es possédé. Il te pousse à tuer par l'avortement. Tu es possédé. Bah oui. Et tu as besoin du Saint-Esprit dans ton cœur que tu vas recevoir en donnant ta vie à Jésus. Comme moi-même, avant délinquance, avant yo-yo-yo, délivré. Pourquoi? La foi au nom de Jésus. N'allez dans aucune religion pour le trouver. Dans ton cœur, assis ici, là, dans le wagon, tu peux le trouver? Parlez au Seigneur. Tu peux dire, oh mon Dieu, quand tu as un problème. Mais dis-lui plus. Dis-lui plus. Vous criez, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, c'est l'enfer. Oh mon Dieu. Hypocrite. Et beaucoup se disent athées. Oh, je suis athée. T'es athée où, mon ami, là? Tu es athée où? Le singe est courbé. Il mange des fourmis. C'est pas mon père. Ce n'est pas mon père. C'est une bête. Donc, comment les humains qui ont master millions d'années de diplôme n'arrive pas à comprendre que la terre a été suspendue dans le ciel, dans l'espace, par quelqu'un. Le plus grand mathématicien, il a créé le soleil, bonne distance. Oh, il est trop fort. Il est phénoménal. Il a créé hommes et femmes, sperme et ovule. Il n'a pas créé tes fesses pour pratiquer le sexe, mais pour faire caca. Allez faire caca. Voilà le message. Pour vous ramener un peu dans la perfection, un peu là. Parce que cette génération, elle est malade. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est comme ça. C'est à cause de votre état de désobéissance, de rébellion envers le Créateur. Mais pourtant les humains croient en Corona. Corona qui est invisible. Mais ils ont la foi en Corona. Ils prennent toutes les précautions pour ne pas l'attraper. Mais il est invisible. Comme Dieu. Dieu est invisible. Mais ne crois pas que Dieu existe. Alors que Dieu est visible par la création. Par son amour. Qui comprend? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Est-ce que vous comprenez le message ce matin-là? Vous comprenez le message? C'est un bon message, ça. Mes amis. Allez-y. Bon Dieu, le boulot. Travaillez bien aujourd'hui. Mais ne mourrez pas au travail sans Jésus. Mes amis. Beaucoup diront, oh, c'est un noir. C'est normal qu'il parle de Dieu, il est pauvre. Jamais tiens. Voilà des enfants, une maison. Crois pas que c'est de l'argent que je veux. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on dit c'est un pauvre. Mais non! Même Giroud croit. Tu vois Giroud? Giroud. Millionnaire Giroud. Et il croit en Jésus. Waouh! Tu dois parler aux gens. Mais j'ai pas le temps de parler à une personne. Il faut que je parle à tout le monde. Ça, les jeunes? Monsieur, vous êtes catholique? Non, pas catholique. Je suis disciple de Jésus. Comment? Dans la Bible, c'est pas écrit faut être catholique. D'accord. C'est écrit dans Matthieu 28. Fais des nations des disciples. Dieu veut parler à ton cœur. Vous avez raison, monsieur. Il est raison. Vous avez complètement raison, monsieur. Il est vivant, Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia, les jeunes. Alléluia. Mais c'est bien. Amen. Faut croire en Jésus. Rendez-vous au paradis. Respectez vos parents. Soyez sages, les enfants. Bon Dieu, madame, à vous. Alléluia. C'est magnifique, ça. Voilà le message ce matin, mes amis. L'amour. Ce train a pour destination. Ah oui. L'amour ce matin, mes amis. Jésus t'aime. Et il veut te réconcilier. Il veut te pardonner. Il veut te remplir de cette paix que la terre ne donne pas. Regardez la terre ce matin, mes amis. Que des chaos. Que des problèmes. Que des crises. Les gens courent après le travail. Les gens courent après la retraite. Mais quand ils meurent, ils laissent tout. Courez d'abord auprès de votre Créateur par la foi. Et la Bible dit quoi? De rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais l'homme recherche d'abord quoi?
Oh, ma retraite! Ma retraite! Mon ami, cherche ton créateur tant que tu vis. T'as quel âge? Plus l'âge monte, plus la fin arrive. Je vous dis la vérité. On n'est pas éternel. Mais Jésus veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle au paradis. Sans souffrance, sans maladie. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'au ciel, il va sécher nos larmes. Je vous dis la vérité, les gens pleurent beaucoup ici. Il y a beaucoup de pleurs. Pourquoi? Pas d'argent, maladie, chaos. Jésus donne la paix véritable, mes amis. Et ce matin, je t'annonce cette paix. Il veut te donner la paix. De ce fait, il faut abandonner tes péchés. Car ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et le Créateur, le mal. Voilà pourquoi il ne peut pas répondre à vos prières. Parce qu'il y a le mal, il n'aime pas le mal. Dis à Jésus de te délivrer. Il le fera, monsieur, madame. Il vous aime, le Seigneur. Ce train a pour destination. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un aurait une question? Bon, allez-y, posez-moi une question. Non, 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 non. Mais pourquoi tu m'assois quand même, toi? Depuis tout à l'heure. Ben, si j'ai pas envie, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous me demandez, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai pas envie. Ok, d'accord, restez. Ouais, mais pas de soucis. Je viens d'où? Je suis de la Guadeloupe. Ok. Et pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous anime dans la vie à part moi? Ben, déjà, j'étais footballeur avant. J'aime bien le sport. J'aime bien, voilà, la nature. J'aime bien aller en vacances, toutes ces choses. Mais j'aime pas le péché. J'étais footballeur avant. Malherbe, Stade Malherbe de Caen, Sco d'Angers, US Créteil. Voilà, voilà. Attaquant. J'étais attaquant. Plus rapide. Plus rapide. Ouais. Blessure. Blessure. Ouais, blessure. Comment? Quelle blessure? Ligament croisé. Mais tu vas opérer toi aussi, tu joues au foot aussi? Je me suis. Ouais, ligament croisé, ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le sport que vous faites, enfin, vous faites toujours du sport ou alors c'est... Ouais, on s'entretient, on fait un peu de sport. Et en fait, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai failli mourir d'une maladie grave. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, j'avais besoin de mon créateur. Parce que les médecins qui fument la cigarette n'ont pas pu me donner une solution. Et c'est à ce moment-là que j'ai tourné mon cœur vers le Seigneur. Et souvent, quand ça va mal, qu'on crie au mon Dieu. En l'occurrence, moi, ça a été le cas. Et j'étais attiré vers lui. Attiré vers mon créateur qui a créé la terre, l'univers. Et en l'occurrence, quand j'ai vu Moïse dans la Bible, Moïse, Adam, toutes ces choses, donc j'ai été poussé à lire la Bible. Et je me suis rendu compte en vérité que le Seigneur était vivant. Et à l'âge de 11 ans, il m'avait parlé. Il m'a dit que je dois être sauvé et c'est Jésus-Christ qui sauve. Et on dit bien avant, après Jésus, quand j'ai vu la vie de Jésus, parfait, sans péché, et il est merveilleux. J'ai approché Jésus-Christ, il m'a délivré. J'avais plus à mentir, j'avais plus à voler, ni tromper ma femme, ni faire le mal. Parce que j'ai choisi de suivre la vérité qui est Jésus-Christ. Ah oui, depuis, ça fait 10 ans maintenant, 10 ans que je vais partout. Et vous tous les matins, vous êtes là pour que la parole. On apporte en parlant de Jésus. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu entendes. Ouais. Que tu entendes qu'après la mort, il y a un jugement. Ouais. Tu vois? Que tu prennes conscience que tu dois te réconcilier avec ton Créateur, qui est Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, pour nous sauver. Ouais. Et que la vie sur terre, elle est éphémère. Et l'Esprit du Seigneur va te parler, va te convaincre que c'est lui le sauveur. Tu vois? Ça va porter du fruit un jour. Non, parce que je sais qu'on ne veut pas mourir, c'est sûr, on ne va pas dire faut tuer moi. Mais c'est sûr qu'après la mort, on a l'assurance d'aller au ciel avec Jésus. Parce que nos œuvres, la Bible nous dit que nos œuvres nous suivent. Tu vois? Nos œuvres nous suivent. Donc ta vie là que tu mènes, elle te suit après. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Parce que tous les jours, il va t'aider à pratiquer la justice, la bonté, le pardon. Donc ton cœur, tu sais qu'est-ce que tu pratiques. Et je pense que tu as quel âge? J'ai 27 ans. Hein? J'ai 27 ans. Ta vie, tu la connais. Tu sais dans quoi tu vis. Ouais. Tu sais ce que tu as fait quoi dans une semaine, il y a deux semaines. Ah, tu sais ce que tu as fait. Ouais. Voilà. Est-ce que ta vie rend gloire au Seigneur? Si tu meurs là, tu vas où par rapport à ce que tu fais depuis 2 ans, 4 ans, 25 ans, 20 ans plus tôt? Je suis dans aucune religion. Jésus n'a jamais dit d'être catholique. D'accord. Il a dit de croire en sa parole. Et quand on croit en lui, on redevient enfant du Seigneur. Parce que lorsque Adam est empêché, l'homme est devenu enfant du diable. On le voit par ses œuvres. Il est méchant, l'homme. Il est hypocrite. Il n'est pas amour. Est-ce que tu as des enfants? 3 enfants. Comment ils
Bon, je ne parle pas forcément leur nom. Ok. Ouais. Ok, c'est cool. Moi, ouais, trois garçons mariés. Merci. Bon courage. Hein. Vous croyez en Jésus-Christ aussi? Oui. Vous croyez en Jésus? C'est bien, merci. Hein. Ouais, ouais, alléluia, Lord Seigneur. Ouais. Ça veut du bien, tu vois, il était là-bas, il a entendu. Tu vois, c'est. Ouais, mais je sais pas si monsieur, si c'est la vie de tout le dragon. Tu as entendu là-bas? En fait, peu importe que tout le monde croit ou pas, c'est le plus important, c'est d'entendre. Parce que le Seigneur veut que tout le monde entende qu'il y a un jugement après la mort. Tout le monde. Il y a entendu, écoute, mais quand tu cries comme ça, les gens t'entendent, mais t'écoutes pas. En fait, on va pas rester à savoir qui a entendu, qui a pas entendu. Le travail a été fait, il a entendu. Dieu seul sait qui a entendu, qui a reçu le message. Lui seul sait. Donc on va pas savoir qui a entendu, oh monsieur, d'accord ou pas. C'est pas mon problème tout ça en fait. Ça a été libéré le message, ils ont entendu. Maintenant chacun est grand, mature et choisit où il va aller après la mort. Tu continues à tromper ta femme, continues à forniquer, fumer, droguer, fais ce que vous voulez. Mais attention, il y a un jugement. Oh là là. C'est terrible ça. Ma missionnaire, elle a débuté depuis le réveil ce matin. En tout cas, bon courage à toi. Merci de m'avoir invité. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je n'ai pas pu parce qu'il fallait que je parle aux gens. Ah, maintenant, je te parle à toi. Tu vois. En tout cas, bon courage à vous tous ce matin au boulot. C'est pas évident. Les gens souffrent, les gens pleurent, sont suicidaires. Et ils ont besoin de la paix véritable qui est Jésus-Christ. Ah oui, mes amis. Le roi des rois. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te pardonner. Donne ton cœur à Jésus. Il veut ôter tes péchés. Il veut ôter tes mensonges. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus. Jésus revient bientôt. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te sauver du péché. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te sauver du péché. La cigarette, le mensonge. Donne ton cœur à Jésus. Jésus n'aime pas le péché. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut sauver ton âme. Repentez-vous de vos péchés, acceptez la vérité. Après la mort, vient le jugement. Et le Seigneur Jésus vous appelle à vous repentir de vos crimes. Repentez-vous de vos crimes, car il est mort pour nos péchés. Jésus revient bientôt. Priez Jésus, sortez de l'adultère, sortez du vol, quittez le vol, le mensonge, l'alcool, l'ivrognerie. Jésus revient bientôt, mes amis. Jésus est la vie. 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 Le monde n'a pas la vie sans Jésus. Le monde n'a pas la vie sans Jésus. Priez Jésus, vous serez sauvés. Priez le Seigneur, vous serez guéris, pardonnés de vos péchés. Il veut sauver ton âme, Jésus. Crois sa parole. Crois l'évangile. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Il t'appelle à croire en l'évangile, croire en sa parole, pour que tu vives. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il veut te sauver de tes péchés. Jésus est la vie.
Jésus est la vie. Il veut te sauver de tes péchés. Jésus veut te sauver de tes péchés. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le monde est dans la perdition. Les humains ont rejeté le Créateur. Ils préfèrent fumer la drogue. Les humains ont rejeté le Créateur. Sortez du péché. Sortez du péché. Priez Jésus. Priez Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il t'appelle à te repentir. Repentez-vous de vos péchés. Jésus est la résurrection. Il veut te sauver de tous tes péchés avant que tu ne meures. L'enfer est pour les pécheurs. Viens à Jésus. Jésus veut te sauver. Repentez-vous de vos avortements. Bonjour tout le monde ce matin. J'aimerais t'annoncer ce matin ce beau message qui est la résurrection de Jésus. Il t'appelle à quitter le mal, le vol, le mensonge, la sodomie, le viol, la haine. Vous êtes pire. Quittez le péché, mes amis. Quittez le mal. Quittez le mal. Mes amis, l'heure est venue pour que les pécheurs se repentent. Mes amis, Jésus est la vérité. C'est pas le vrai. Calme-toi, calme-toi. Jésus, mes amis, est venu pour sauver les impies. Afin que tu aies au ciel après ta mort. Qui massacre les Palestiniens. C'est pas moi, mon ami. Non, je ne tue pas les gens, moi. Jésus dit de la Bible, tu ne tueras pas. Donc quand tu tues, t'obéis pas à Jésus. Mes amis, ce matin, je t'annonce ce message pour que ton âme soit sauvée. Tu dois te réconcilier avec ton Créateur. Car ce matin, tu peux mourir, mon ami. Ah oui. Et quand on meurt sans Jésus, quand on meurt étant voleur, raciste, pédophile, adultère, fornicateur, tout ce que tu veux, mon ami, tu ne vas pas au ciel. Car la Bible dit que le pécheur, le salaire du péché, c'est l'enfer. J'étais pécheur avant, menteur, adultère. Jésus m'a pardonné. Et ce matin, il veut te pardonner pour que tu vives au ciel avant que tu ne meures. En tout cas, bon courage. Dieu a créé tes fêtes pour faire caca, pas pour coucher avec. C'est le péché couché entre homme et homme. C'est le mal. Oh, non, c'est le mal, mon ami. C'est le mal, ça. C'est pas normal, ça. Bonjour tout le monde ce matin. Non, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé hommes et femmes au commencement, mes amis. Ce matin, tu vas peut-être travailler, vaquer à tes occupations. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ce message magnifique, c'est qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Et ce matin, je t'annonce l'évangile du Seigneur pour que tu sois sauvé, guéri du mensonge, guéri de l'adultère, guéri des gros mots, guéri de la fornication. Ce matin, je t'annonce un message pour que tu arrêtes de crier la colère. Dieu veut t'apaiser le cœur, mon ami. Et tu as besoin de lui. L'argent ne peut pas vous sauver. L'argent est que du fer et du papier. Et le monde a besoin de la vérité pour devenir intègre. On vit dans un monde injuste, adultère, pédophile, raciste, meurtrier. Mes amis, voilà l'état du monde aujourd'hui. Vous êtes possédés. Et tu as besoin de Jésus pour être rempli de paix.
votre génération a besoin d'entendre cette parole. Et ça titille vos péchés. Voilà pourquoi vous criez. Parfait, ça pique vos cœurs, mes amis. Parfait, et ce matin, je t'annonce que Jésus est venu pour te rendre parfait. Comme lui. Allez, dans la vérité. Descends, plus de mensonges. Plus de mensonges, mes amis. Descends. Et il t'appelle à croire sa parole pour descends, arrêter l'adultère. Descends. Tu trompes ta femme. Eh oui, c'est le péché. Tu ne commettras pas d'adultère. Et je crois que les femmes seraient heureuses si leur mari ne trompe plus. Je crois. Enfin, je crois. Je crois. Tu trompes ton mari? Eh bien, voilà ce qu'elle dit. Elle trompe son mari. Eh bien, la honte. La honte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sida. Le sida, les MST. Parce que les humains ne sont pas fidèles. Voilà pourquoi. Oh là là, vous irez non. Si vous mourrez comme ça, mes amis, vous descendez en enfer. Oh oui. Je prêche la Bible. C'est pas moi que tu rejettes, c'est ton créateur. Je te parle du créateur. Il est venu pour vous délivrer du mal. Quittez la sodomie. Tes fesses ont été créées pour faire caca. Une génération abominable. Et Jésus est venu mourir sur la croix pour vous pardonner. Avant j'étais comme vous. Hein. Avant j'étais comme vous. Adultère, bagarre, gros mots, la drogue. J'étais comme vous. Mais Jésus, il m'avait les yeux. Et je constate une chose. C'est que vous êtes mauvais. Ah oui. Tu peux te maquiller ton faux teint, mais t'es mauvais. Voilà vos cœurs aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as besoin d'entendre cette parole. Pour devenir bon. Intègre. Beaucoup mentent ici. Beaucoup sont des menteurs. La Bible dit que tu ne mentiras pas. T'es le diable, toi. Non, le diable parle pas comme ça. Non, le diable. Ah non, le diable, il te dit fume la cigarette. Le diable te dit fume la clope. Mes amis, t'as quel âge aujourd'hui? 50 ans? Il vous reste très peu de temps sur terre. Repentez-vous avant de mourir. Je vous dis. Repentez-vous. Le Seigneur est venu pour vous réveiller. Allez-y, monsieur. Ça réveille ce matin. Oui, ça va te réveiller. Ah oui, c'est un bon réveil. Parce que l'heure est venue d'entendre la vérité, mes amis. Nous sommes à la fin. Je vous dis la vérité, c'est la fin qu'on vit là. Regardez le cœur de l'homme. Les gros mots. Hein, même les femmes. C'est terrible, mes amis. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, la terre a été maudite. L'homme est devenu pécheur et possédé par le diable. Et vous l'adorez à travers Halloween. Vous vous bagarrez. Vous mentez, vous vous masturbez. Alors que Dieu t'a pas créé pour te masturber. Aujourd'hui, on voit des gens culottes, les gens poils. Il n'y a plus de pudeur. C'est grave. On ne sait plus qui est Bois de Boulogne. Qui est Bois de Boulogne qui a un métier? Une génération impudique. Et ce matin, ce message, je te l'annonce pour qu'après ta mort, tu ailles au paradis. Parce qu'on n'ira pas tous au paradis. Ah non, 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 non. Et un pédophile, non. Dans l'avortement, non. Raciste, non. Filme, tu peux filmer. Jésus est venu pour sauver les méchants. Hein? Les drogués. Repentez-vous. Croyez en Jésus. Et vous aurez la vie éternelle. Le pardon de vos péchés. Le pardon de vos fellations. La délivrance de la drogue. Du racisme. Les gros mots. Hein? Tu mens tous les jours à ton patron. Oh patron, tu es menteur. Et la Bible dit quoi? Le père du mensonge, c'est Lucifer, c'est le diable. Et beaucoup ont poupé le diable par leurs œuvres, leurs actions, leurs pensées. Mes amis, c'est pas un jeu ce matin. Sinon, tu travailles dans la vie. J'ai un métier, marié, 3 enfants, t'inquiète pas pour ça. Même Giroud, croit en Jésus. Même Giroud, millionnaire. Donc croire en Dieu, c'est pas une histoire de pauvreté ou d'argent. Giroud est millionnaire, il croit en Dieu. Pourquoi? Mais il reconnaît que l'argent va pas le sauver. Il peut être millionnaire, mais il va mourir, comme Johnny. Voilà pourquoi il faut préparer sa vraie retraite. Le royaume des cieux. Par la repentance, par la foi en Jésus. Mais continuez l'adultère, continuez. Continuez la fornication. Continuez la sodomie, continuez. Continuez à voler, tricher. Dire de gros mots. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous pardonne. Ce matin, si vous criez, c'est parce que ça dérange. Ce matin, ce message vient réveiller ton état de menteur, ton état d'alcoolique. C'est normal que tu cries contre moi. Mais ce matin, je t'annonce que Jésus veut te guérir. Il veut te mettre. Il faut le mettre. Il faut le mettre sur le réseau. Mettez-le sur le réseau. Mettez-le sur le réseau. Comme ça, ils vont entendre la bonne nouvelle. Parce qu'il y a trop de menteurs dans ce monde. Trop de racistes, trop de meurtres. Et tu as besoin de venir bon. Eh oui, mettez sur le réseau. C'est un bon message. Mettez sur le réseau. Ça va tourner. Comme ça, un maximum de personnes vont comprendre qu'ils ont besoin de la vérité. Et cette vérité, c'est le Créateur. Il a marqué l'histoire, on dit avant, après Jésus. Il a créé le sperme et l'ovule. Pas homme et homme, pas femme et femme.
Jésus m'a délivré de l'adultère. Je ne trompe plus ma femme, moi. Fini ça. J'ai pas de sida fidèle. Elle peut fouiller dans mon portable. Oui, parce que je suis libre grâce à Jésus. Les hommes, arrêtez l'adultère par vos yeux. Jésus dans la Bible dit quoi? Tu ne convoiteras pas. Quand tu mates les fesses des femmes, c'est le mal. Hein, oui. Quand tu avortes, tu tues ton bébé, c'est le mal. Quand tu fumes la clope, c'est le mal. Fumez, tue. Repentez-vous de vos péchés et vous aurez la vie. Que tu sois président, ministre, député, masterisé, tu as besoin d'entendre que tu es pécheur. Tu es pécheur et les pécheurs ne vont pas au ciel. Non, 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 non. Mais l'enfer éternel. Et ce matin, je t'annonce ce message par amour. Je vous aime et je vous pardonne. Ceux qui m'ont dit de me fermer là, voilà. Je vous pardonne. Ce message est merveilleux. Ce message, pourquoi vous n'y allez pas vous par hasard? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Les humains sont bizarres quand même, les humains. En fait, il faut que tu entends avant de mourir ce message. Avant que ton cœur s'arrête comme Erickson, parce qu'Erickson était riche, hein, son cœur s'est arrêté. Mes amis, on est faibles. Ce matin, croyez pas que je vous aime pas. Je vous aime. Ce matin, je t'annonce que si tu meurs comme tu es là, ton âme ira dans le feu. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Mon ami, ce matin, j'ai pas dit un gros mot. Hein. Je t'ai annoncé qui tu étais. Tu es mauvais. Tu es peut-être raciste. Alors qu'il dit quoi, Jésus? D'aimer son prochain comme soi-même. Tu trompes ta femme, tu n'aimes pas ton prochain. Tu fumes la cigarette, tu t'aimes pas toi-même. Comment tu pourras m'aimer? C'est impossible. Impossible. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu payer le prix sur la croix pour nos péchés. Mais les humains préfèrent quoi? Oh mon travail. Ils vont mourir, ils vont laisser le travail. Oh ma retraite. Tu verras pas ta retraite. Oh. Voilà l'espérance des humains. Tout ce qui est vanité. La vanité. Mes amis, tout n'est que vanité dans ce monde. Je vous dis la vérité. Et ce matin, je t'annonce la vie. Tu es cancéreux, Jésus peut te guérir. Pourquoi je prêche ce message? Mais il y a 10 ans en arrière, j'étais délinquant, je t'appelle la police, j'étais raciste. Mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus, il m'a donné la paix que je cherchais chez les femmes. La paix que je cherchais dans les films porno. La paix dans la violence. Jésus, c'est ma paix véritable. Et je vous aime. Tu peux même pas m'aimer, je m'en fiche, je te pardonne. Il dit quoi, Jésus? D'aimer son prochain. Et ton prochain, c'est ton bébé. Ton prochain, c'est ton mari que tu trompes. Ton prochain, c'est la police. Ton prochain, c'est monsieur Macron que vous tapez. Vous serez jugé. Il y a un juge qui existe. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il vous appelle à vous repentir du mal. La drogue que vous aimez, le cannabis, toutes ces choses. Abandonnez le mal. Et vous aurez la vie. Vous aurez la vraie vie. L'espérance de la vie éternelle. Ce matin, si tu meurs, tu vas où? Ce matin, si tu meurs, tu vas où? Ce matin, si ton cœur s'arrête au boulot, on va te remplacer. Hein? On va te remplacer deux semaines après. On va te pleurer 2 jours. Oh, de toute façon, lui, il nous énervait, lui. C'est comme ça que l'homme, il est hypocrite. Il n'y a personne qui t'aime véritablement. Personne ne t'aime. On va t'aimer pour tes belles lèvres. On va t'aimer pour ta belle voiture. T'aimer parce que tu as une belle maison. Profiter de toi. Mais qui t'aime véritablement ici là? Même ta femme te trompe. Tu penses qu'elle t'aime? Voilà pourquoi Jésus, il nous aime mieux que quiconque. Ah oui, ah oui mes amis. Et si tu crois sa parole, tu seras une bonne maman. Tu vas plus violer tes enfants. Jésus veut te rendre juste, intègre, amour. Alléluia. C'est un bon message. Bon message. Ceux qui vont reconnaître leur péché seront sauvés, seront rachetés, seront délivrés, comme moi-même. Marié, fidèle, et c'est ça la vie qu'on doit mener. La droiture. Pourquoi? Ben parce qu'on veut pour aller au ciel après la mort, retrouver le créateur de la Guadeloupe, mon île, les Antilles, le soleil, le créateur de l'univers. Mais combien ils vont en faire avec le diable? Parce que sur la terre, Halloween. Sur la terre, drogue. Sur la terre, zouké, zouké, zouké. Le zouk, c'est le sexe. Frottis, 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 c'est le sexe. Avant, j'aimais ça, je suis antillais. J'aimais ça. Mais quand la parole de Dieu, l'évangile, la Bible, m'a touché, j'ai compris que c'était le péché, ça. Tu frottes une femme, le corps réagit. Comment des hommes peuvent laisser leur femme aller faire frottis-frottis? C'est ça ta femme? C'est ça votre couple? Mais je pleure votre couple, mes amis. Voilà pourquoi je parle ce matin. Pour que Jésus vous sauve. Parce que vous êtes liés par les démons. Liés par le diable, de la drogue, de la cigarette. Fumais-tu? Combien fume? Combien en plus perd de corona que la cigarette? Voilà, mes amis.
bien ont peur de corona ici. Même les fumeurs ont peur de corona. Même les fumeurs. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Dieu créa hommes et femmes. Il a créé le postérieur pour faire caca. Mais les hommes prennent ça pour faire le sexe. C'est pas normal. C'est le contre-nature. Oh oui, on va dire non, il est méchant. Il aime pas, je vous aime. Mais c'est pas naturel. Oh oui. Voilà pourquoi quand on ouvre la Bible parle à ton cœur. Elle te montre qui tu es. La Bible est un miroir. Voilà pourquoi ce matin, il y en a qui m'ont crié dessus. Ah! Parce que le miroir t'a montré que tu es mauvais. Et tu veux casser ce miroir, la Bible. Oh mon ami. Jésus, il est incontournable. Il est glorieux. Je sens ici. Bonjour au boulot. Ne mourrez pas. Hein? Parce qu'on meurt au boulot. On meurt au boulot aussi. Hein? Le cœur s'arrête au boulot. Hein? Erickson, il est au boulot, Erickson. Son cœur s'arrêtait. Un match de foot, il était riche. En tout cas, bon courage. C'est pas un jeu, monsieur. C'est pas une blague. Hein? Vous êtes le seul à applaudir. Vous êtes le seul. C'est pas une blague. Bon courage, vous tous. Et dans les oreilles, la musique, là, boum, boum, boum. On dirait, hein? Boum, 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 boum. Ça ne les dérange pas. Mais en fait, le cri, c'est que ça révèle qu'ils sont. Ils sont mauvais. La cigarette. Et ça les dérange. Tais-toi. Non, il faut que tu entends que tu es mauvais. Parce que Jésus veut te sauver. Au revoir, madame. Madame, bonne journée à vous. Yeshua. Jésus est la vie. Jésus vous appelle les humains à faire la paix avec lui pour hériter de la vie éternelle. Bon courage. Jésus est la vie. 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 Jésus est le roi, Jésus est le roi, Jésus est le roi, Jésus est le roi. Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus guérit. Vous aimez madame. Alléluia. Jésus pardonne, Jésus veut te pardonner, Jésus veut te pardonner de tous tes péchés. Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne, Jésus pardonne. La lumière du monde, la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir Wagon. J'ai une bonne nouvelle pour vous, tu rentres peut-être du boulot, tu rentres peut-être d'une occupation quelconque
Mais ce soir, j'aimerais te parler, t'annoncer le message le plus beau que tu puisses entendre ce soir. Mes amis, il y a un créateur qui existe. Et ce soir, il te dit de te confier en lui. Car le monde s'écroule. Car le monde va d'échec en échec. Nous sommes en 2021. C'est la pire des générations que la terre est portée au niveau du mal. On vit dans un monde où sa nourriture est le mal, l'injustice. La plus grosse pandémie, ce sont vos péchés, les humains. Et c'est le péché qui détruit l'homme. C'est le péché qui donne accès au diable dans ta vie. Et après ta mort, c'est l'enfer pour les pécheurs. Après ta mort, si vous mourrez pécheur, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Là, le Créateur habite. C'est pas ton argent que je veux ce soir. Range ton porte-monnaie. J'ai mieux pour toi à te dire. L'argent, tu mourras sans l'argent. L'argent va payer ta tombe. Je te dis la vérité. Les humains prennent leur tête. Les humains sont dépressifs à cause des biens de la terre. Alors que tout n'est que vanité. Ta vie est vanité. Regarde comment tu étais jeune il y a 20 ans. Là, tu as vieilli. 50 balais. Et bientôt, la mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que quelqu'un a vaincu la mort. Quelqu'un a vaincu la mort pour toi et moi. Il s'appelle Jésus. Jésus que l'homme a rejeté au profit du péché. Alors que Jésus est venu, notre Créateur est venu il y a 2000 ans pour nous donner de l'espérance, pour nous donner la délivrance par rapport au péché, la drogue, la masturbation, le viol, l'adultère, la cigarette, la fornication, les IVG, le mariage pour tous là. Abomination, mes amis. Car Dieu créa hommes et femmes. Sinon, je ne serais pas né sinon. Et c'est le problème de l'humanité. C'est le péché, le mensonge, les gros mots, le racisme, la sodomie. Dieu a créé tes fesses pour faire caca, mon ami. Je te le rappelle ce soir. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur est venu pour nous réveiller. Moi, il m'a réveillé, hein. Marié, 3 enfants, fidèle. Et je sais qu'après la mort, il y a le royaume des cieux et Hadès, où beaucoup vont après la mort. L'enfer. Pour aller en enfer, c'est facile. Faut taper la police. Faut coucher en mariage. Faut mater les fesses des femmes pour les hommes. Vice versa. Il faut vivre dans la masturbation, la drogue. Et mourir comme ça. Là, tu vas en enfer. Frauder les trains. En gros, tout ce qui est injuste. Parce que le Créateur, il est parfait, mes amis. Et il t'aime beaucoup. Voilà pourquoi je t'annonce ce message. Tu me diras, ce n'est pas le lieu approprié. Mais Dieu est partout, mon ami. Il n'est pas dans vos sectes qu'on appelle église, mosquée, temple, tous ces baptistes qui n'ont pas su changer vos cœurs. T'es toujours pédophile. T'es toujours raciste. T'es toujours, mes amis, dans la colère. Les films porno. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous pardonner. Et qu'on puisse se pardonner. Qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Mon ami, il y a quelques jours, quelques semaines, un footballeur, Eriksson, son cœur s'est arrêté. Pourtant, il est riche. Mais devant la mort, l'homme est zéro. Tu vas mourir un jour, jeune homme. Tu mourras, monsieur, madame. C'est pour cela, ce soir, toi qui entends ce message, je veux te dire que Jésus
est mort sur la croix pour nos péchés, pour te faire grâce, parce qu'on a tous commis le mal, moi le premier. Mais j'ai accepté la grâce du Seigneur. J'ai accepté l'amour du Seigneur. Mes amis, pour aller au ciel, il faut donner sa vie à Jésus. Car Jésus veut te délivrer de la clope. Fumais-tu, hein? Et qu'est-ce que dit Dieu de la Bible? Tu ne tueras pas. Il est évident que fumer tue aussi. Donc, si tu meurs fumeur, tu seras jugé, tu t'es tué. Les avortements que vous pratiquez, les femmes, sont des meurtres. Réveillez-vous, les humains. Réveille-toi de ton péché. Et Jésus t'appelle à en sortir par sa puissance. Sortez de la masturbation. Sortez du viol. Des envies de suicide. Ben oui, les gens, en France, beaucoup de suicides, mes amis. Beaucoup d'adultères. Beaucoup de divorces. Qui est marié ici? Levez la main. Qui est marié? Très peu. L'homme ne pense qu'à forniquer. Il n'est pas étonnant qu'il y ait tellement de sida. Mes amis, ce soir, je t'annonce la grâce du Seigneur, l'amour de Jésus. Il t'appelle, jeunesse, à quitter Rihanna. Rihanna t'a appris l'impudicité. T'es à poil aujourd'hui. On voit des femmes à poil, chantent à l'air, les seins à l'air, bois de Boulogne. Il n'y a plus de pudeur. Voilà ma génération. Comme la Bible dit, elle ressemble à Sodome et Gomorre. Mes amis, on est à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit que Jésus va revenir pour juger la terre et sauver ceux qui se sont repentis et qui ont la foi, pas dans la religion, mais en son nom. Je suis jeune, marié, j'ai quitté les boîtes de nuit, j'ai quitté le zouk. En fait, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, Jésus m'a délivré. Plus de gros mots, plus de racisme, plus de mensonges, plus de bagarres. Parce qu'après ma mort, je veux aller au ciel. Mais le monde entier est en train de marcher vers l'enfer. Regardez votre état aujourd'hui. Sodomie sur sodomie. Alors que Dieu a créé les fesses pour faire caca, 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 caca. Mais vous couchez entre hommes et hommes, même les chiens vous montrent l'exemple. Je comprends pourquoi la terre va mal. Je comprends pourquoi il y a des cataclysmes, des chaos. Dieu vous juge. Dieu est en train de vous juger. Cette génération. Et Jésus t'appelle. Il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à faire la paix avec lui. Réconcilie-toi avec ton Créateur parce qu'il t'aime. Mes amis, on ne vient pas du singe. J'ai trois garçons. Dieu a créé sperme et ovule. Un macaque ne peut pas donner un homme. Une girafe ne peut pas donner un poulet. Non. Un poulet donne un poulet. Un macaque, un macaque. Un humain, un humain. Quand est-ce que l'homme va se réveiller? Quand est-ce? Mes amis, je rends une formation. Mais ce soir, c'est un message terrible. C'est un message qui peut sauver ton âme. Avant que tu ne meures, vous serez jugé. Je te parle de la Bible. Hein? C'est pas moi que tu rejettes. C'est ton Créateur. Quittez la masturbation. Quittez la fornication. Quittez les films porno que vous aimez. Voilà ma génération. Une génération impudique. Vous serez jugé. Une génération qui dit, oh mon Dieu, dès qu'elle a peur, oh mon Dieu, elle se réclame d'être athée. Hypocrite. Hypocrite. Combien ont la foi au corona? Combien, mes amis, ont la foi au corona? Un corona qui est invisible. Mais vous tremblez devant un microbe. Un microbe. Mais quand vous dites que Dieu existe, oh, c'est pas vrai. On vient du bing-bang. Stupide. Insensé. Ma génération. Mes amis, on a un Créateur qui a créé le soleil. On a un Créateur qui a créé le monde. On a un Créateur qui a créé ton pancréas. Il a créé ton cœur. Il a créé ton ovule, tes menstrues. Il a tout créé, mon ami. Quand est-ce que tu vas prendre conscience?
de ton état humain. Venez au Seigneur, parce qu'il vous aime les humains, mais il n'aime pas tes gros mots. Il n'aime pas tes fêtes de Noël où tu mates tes enfants. Tous les ans, même mensonge. Même mensonge. Quand est-ce que les humains diront la vérité? Sans Jésus, c'est impossible. Génération aveugle, perverse, corrompue, raciste. Voilà pourquoi Jésus veut vous sauver. Et il t'appelle à arrêter la masturbation. Ta femme, ce n'est pas ta main. Tu te masturbes régulièrement. Je parle à un homme ici là. Dieu t'a créé pour te marier avec une femme. Si tu es un homme, il est l'heure de prendre conscience de l'état du monde. C'est la fin, mes amis. Le sauveur, c'est pas Superman. Le sauveur, c'est pas Batman. Le sauveur, il a marqué l'histoire. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, mon ami, waouh! Champion du monde, Jésus. Il est glorieux. Grâce à Jésus, je ne trompe plus ma femme. Oh non, depuis 10 ans, marié, pas de sida, parce que j'ai qu'une femme. Comme Dieu le dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est écrit. Tu ne voleras pas, toi, tu es un gros voleur, toi. Tu ne convoiteras pas, tu mates tous les jours les fesses des femmes. Attention à toi. Attention! Voilà pourquoi Jésus a crucifié la chair par son sacrifice sur la croix. Il a vaincu Lucifer que vous adorez dans Halloween. Beaucoup sont possédés ici. Possédés par la cigarette. Possédés par le mensonge. Possédés par la masturbation. Le viol. La fellation. Le péché. Voilà ce qui vous condamne. Voilà pourquoi la terre va mal. La réponse à ta question... C'est pas Corona, c'est le péché. Bonne soirée en tout cas. En tout cas, mes amis, sache que les prophètes ne sont pas morts. Dieu a toujours envoyé des hommes parler aux pécheurs. Moïse, que tu connais très bien. Ben oui, Moïse a parlé aussi. Mais Pharaon s'en est enorgueilli. Pharaon a été frappé. Combien se croient-ils ici? Oh, je suis en costume cravate. Je suis quelqu'un. T'es pourri, mon coco. Je te rappelle que même Giroud est millionnaire, il croit en Jésus-Christ. Millionnaire. Il s'est rendu compte que riche, on meurt quand même. Erickson, le cœur s'est arrêté. Et toi? C'est quand ton arrêt cardiaque? C'est quand? Une génération, oh, oh, je crois pas en Dieu, on vient du macaque. Mais t'es bête? Bête? Une génération tellement qu'elle a rejeté le Créateur, ils vont jusqu'à coucher entre âme et homme. Comme Sodome. Mes amis, après Corona, attache ta ceinture. Corona t'a fait peur, hein? Eh bien, c'est pas fini. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, vous tomberez dans la dépression. Vous allez voir. Le suicide, les meurtres. Vous allez voir. La Bible en parle. Voilà pourquoi tout homme doit se repentir du mensonge. Combien de fois t'as menti aujourd'hui? Combien de gros mots t'as dit aujourd'hui? Réponds-moi. Combien de fois tu as regardé les fesses des filles, toi qui es marié, même pas marié aussi? Jésus n'aime pas le péché, mes amis.